Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Obéir ou désobéir? Une question au cœur de l'actualité contemporaine. L'obéissance est généralement considérée comme une vertu. Comment pourrions-nous, du parent à l'enfant, du maître à l'élève, du gouvernement au citoyen, faire société sans l'obéissance? Les règles établies nous permettent de coexister de manière pacifique. Aussi Socrate, dans un célèbre passage de la République de Platon, voit la désobéissance générale comme le vigoureux commencement de la tyrannie. Pourtant, la désobéissance a montré son visage à de multiples reprises dans l'histoire de l'humanité. Pour bien comprendre son utilité actuelle, il faut bien saisir que la désobéissance n'est pas une, mais s'exprime sous diverses formes. Il y a la rébellion ou la révolte. Inscrite dans l'action, la rébellion est une résistance ouverte aux ordres d'une autorité. Le regard fixe et sûr, la rébellion a pour origine un sentiment d'indignation et de réprobation face à une situation. Le cap d'indignation étant digéré, l'action est instinctivement suscitée. Mais la désobéissance peut également être retrouvée dans l'anarchisme et cette fois-ci de manière politique. Cette théorie suppose un ordre spontané qui naît de la liberté de chacun des individus composant la communauté. Face à la servitude, la désobéissance apparaît ici comme une vertu. Cependant, la désobéissance ne s'arrête pas à ces deux manières de l'aborder, et le refus d'obéir aurait pu avoir de tout autres conséquences sur notre présent. Le XXe siècle nous a appris que l'obéissance pouvait aussi apporter la pire des violences et laisser la morale humaine complètement disparaître. Lors de l'effondrement du régime nazi, les criminels de guerre, lors de leur procès, ont justifié leur comportement en expliquant qu'ils n'avaient qu'obéi aux ordres. Une obéissance vouée à un tissu de mensonges, amenant à une solution finale, innommable. Alors la désobéissance n'est-elle pas souhaitable dans certains contextes? Emmanuel Kant, le célèbre philosophe de Prusse orientale du XVIIIe siècle, nous en apprend un peu plus. Par ses nombreuses recherches, il a défini que le principe même d'obéissance ne peut souffrir d'aucune discussion sur l'obéissance à la loi morale. En d'autres termes, cela signifie que je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que mes principes deviennent des lois universelles. Pour cela, il dit également qu'il faut impérativement que toute vérité soit faite sur mon environnement culturel, pour ne pas tromper ma réflexion. C'est-à-dire que les informations que j'assimile par les médias, par exemple, ne doivent pas être soumises à des propagandes mensongères, il faut que j'aie entièrement conscience du contexte dans toute sa vérité, et à cela, je ne dois obéir qu'à la loi morale. Depuis le 7 octobre 2019, le mouvement Extinction Rébellion a lancé un mois d'événements mondiaux appelés Rio, la rébellion internationale d'octobre. À travers le monde, des actions non violentes vont être menées, blocages, prise de position sur des endroits stratégiques, tels les capitales. Ce mouvement né en Angleterre en octobre 2018 déclare utiliser diverses méthodes d'action directe, de désobéissance civile et de résistance non violente, dans le but de pousser les gouvernements à agir afin de limiter le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité et le risque d'atteinte des points de basculement du système climatique pouvant conduire à un effondrement écologique. Depuis, Extinction Rébellion s'est installée dans plus de 49 pays. Il s'agit bien de désobéissance. Si nous revenons sur notre cher Kant, et l'unique obéissance que nous devons respecter, c'est-à-dire celle de la morale en prenant en compte la vérité du contexte, nous aboutissons à cette conclusion. Les différents types d'effondrements consécutifs que nous constatons au quotidien,
la disparition de la biodiversité, la sécheresse, les pénuries alimentaires, l'érosion des sols, la pollution atmosphérique, le réchauffement des océans, les ouragans, les inondations, la disparition des zones côtières, etc., etc. Voici le contexte réel et véridique de nos jours futurs. Le peu d'investissement de la part des gouvernants à prendre à bras le corps l'ensemble de ces problèmes est également une réalité et une vérité. Pour rappel, d'ici à 2030, nous devons être en neutralité carbone nette. Les 2 degrés de réchauffement sont d'ores et déjà validés par les scientifiques. Et il s'agit donc de ne pas tabler sur du 7 degrés d'augmentation d'ici à 2100. Les conséquences de ce contexte signifient que plus des 3/4 de la population mondiale aura disparu dans les prochaines décennies. N'y a-t-il pas ici une obéissance morale à suivre, c'est-à-dire préserver les vies, préserver le vivant, nous préserver nous-mêmes? Donc oui, la désobéissance fait peur, car elle bouscule nos habitudes, nous empêche de nous rendre à nos rendez-vous, d'aller chercher nos enfants. Elle perturbe notre vie individuelle, et c'est bel et bien là l'intérêt. Car avec nos œillères quotidiennes de consommateurs, nous oublions le tic-tac incessant du réchauffement et de ses conséquences qui deviendront de plus en plus extrêmes. Nous suivons tout de même un modèle qui condamne les 3/4 de l'humanité. Où est donc la morale ? Obéissance ou désobéissance ? Le principal est de ne pas être aveuglé. Et pour cela, Extinction Rébellion nous montre qu'ils ne le sont pas. Ce mouvement qui se propage à travers tous les peuples du monde démontre bien la menace ressentie par l'humanité sur son lieu de vie à travers la planète. Dépassant la politique et s'accordant sur une protection unanime du vivant, il replace l'homme dans son contexte véritable, c'est-à-dire interdépendant au vivant. Ne nous trompons pas, les crises actuelles et à venir ne trouveront de solution que dans une modification complète de notre système, de nos rapports et de nos impacts. Nous pouvons choisir de le vivre ensemble, ce changement, ou bien patienter le temps que les gouvernants aient la capacité de relever les défis. Pourtant, lorsqu'on entend Ségolène Royal demander à ce qu'Extinction Rébellion ou tout type de mouvement similaire puisse être réprimé, et que nous réhabilitons dans l'univers de Kant ses propos, nous comprenons que dans le contexte véritable d'urgence climatique, ils ne dépendent pas d'une obéissance morale, mais d'une obéissance à une croyance dans le système qu'elle souhaite voir se perpétuer. Or aujourd'hui, les scientifiques sont unanimes sur l'urgence de modifier ce modèle. Et c'est là où nous retrouvons également le besoin d'avoir des informations fiables et vraies pour ne pas se tromper dans nos actions. Aussi la désobéissance civile actuelle peut être légitimée par sa morale et par les actions menées haut et fort contre l'injustice climatique subite par les populations mondiales qui représentent de manière intégrée à nos vies le plus grand danger auquel nous ne nous sommes jamais confrontés. Mais la désobéissance, ce n'est pas que des grands mouvements. C'est également le simple pas de côté de chaque individu. Lorsque je mange bio, je cultive mon potager, j'économise l'eau, les énergies, je consomme moins de plastique, je suis en pleine désobéissance avec un système qui au contraire souhaiterait me voir consommer beaucoup plus pour le nourrir. Notre prise de conscience est lente, mais par des mouvements comme Extinction Rébellion, elle est bousculée, remise en question et alertée. Sans un changement de conscience de chacun d'entre nous, nous continuons à avoir une vision tronquée et mensongère de notre avenir, qui nous maintient dans l'obéissance que seules les générations futures jugeront. C'est tout pour aujourd'hui, excellente rébellion ou pas de côté à toutes et à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super green, aussi green que ça peut être. Green, la puissance, c'est pas possible. Green, tu vois, green, absolument green, green.